Ce programme vous est offert par... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis toujours en forme. Mais même comme aujourd'hui, on n'a pas de bouffe sur la table, c'est pas grave. Hein? Chez moi, Bafong, on dit, après la fête, c'est la galère. De vous retrouver dans ce programme Les Saveurs du Monde réservé aux cuisiniers amateurs de la planète. Aujourd'hui, nous allons recevoir le chef EPP qui va nous proposer une recette très facile à faire chez vous. Alors, la recette, c'est le poulet aux saveurs d'été. C'est sûr que nous sommes rendus en hiver, mais ça n'empêche que vous devez absolument essayer cette recette à plusieurs reprises pour que en été 2021, vous soyez prêt à proposer la dite recette à vos proches. Alors, avant d'aller rencontrer le chef EPP dans sa cuisine, je vous propose ce produit qu'il vient de mettre sur le marché. C'est le chef EPP qui a mis ce produit sur le marché. Alors, le produit, c'est Pili Pili. Pili Pili veut dire le piment. Donc, le contenu, c'est une sauce piquante. Bonjour, je m'appelle EPP. Je suis cuisinier professionnel. Ça fait 11 ans que je suis dans le métier et aujourd'hui je suis chef et cofondateur de Mukili. Mukili qui est une gastronomie congolaise. Donc on nous faisons traiteur et ainsi on offre aussi des plats take-out ou des livraisons en CRV. Aujourd'hui sur cette émission nous allons réaliser une recette facile et à répliquer ou à faire à la maison. Thank you.
c'est la puissance. Ce qu'on va faire ici, on va passer un purée. C'est de l'oignon que j'ai pris tout à l'heure pour faire le timi. On a la noix de muscade, gingembre, feuille de laurier, paprika et piment cayenne, poivre de cayenne et demi-citron. Ça.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés au thème de ce numéro. J'espère que vous avez aimé la recette du chef Épépé et que vous allez essayer plusieurs fois à la maison. Alors, je vous invite à le suivre sur ses différentes pages, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de visiter son site web mokili.ca. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo pour une nouvelle recette. Et je dis salut à vous qui me suivez du côté d'Antananarivo à Madagascar. On est ensemble. Ciao!